Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas ma part ça va nickel. Et aujourd'hui nous allons vous montrer comment optimiser iOS pour le mode jeu. En tout cas avant que iOS 18 débarque sur vos appareils. Et si vous n'êtes pas sur iOS 18, il existe tout de même des solutions pour optimiser iOS pour le mode jeu. C'est pour ça que ce tuto est là, il est là en attendant iOS 18 et pour celles et ceux qui n'auront pas iOS 18. Pour commencer c'est assez simple, il faut aller dans réseau Wi-Fi ou dans vos données mobiles si vous êtes sur données mobiles et de régler sur mode faible données, comme ça il n'y aura pas d'actualisation des mails, etc. et des mises à jour automatiques en arrière-plan. Quand cela est fait, vous allez vous rendre dans les paramètres, dans Général, ensuite dans Actualiser en arrière-plan et vous désactiver si cela est fait. Si vraiment vous avez besoin de quelques applications, ben vous paramétrez le tout. Mais théoriquement, en mode économie d'énergie, ça se désactive automatiquement. Mais on n'a pas besoin de mode économie d'énergie parce qu'on a besoin de la puissance nécessaire de notre appareil. Quand cela est fait, nous allons nous rendre dans le mode Concentration. Nous allons créer un nouveau mode de concentration. On va choisir jeu vidéo, personnaliser le mode de concentration et quand cela est fait, nous allons voir un contrôleur sans fil quand une manette est activée. Vous pouvez le mettre sur oui ou non selon votre préférence, en activation automatique. Ensuite, quand cela est fait, nous allons ajouter un filtre, mode économie d'énergie, et on va le désactiver et on l'ajoute. Comme vous voyez ici, c'est écrit activer, mode économie d'énergie, désactiver durant ce mode de concentration. Si ça veut dire que si vous êtes en mode économie d'énergie et que vous lancez ce mode de concentration, vous allez tirer parti de votre appareil. Ensuite, pour le menu d'accueil, on peut choisir notre menu d'accueil. Je vais partir là-dessus. Vous pouvez aussi modifier les apps. On va mettre les apps de jeu. C'est assez rapide. Il faut déjà que j'en ai beaucoup pour la vidéo. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Quand cela est fait, on peut appuyer sur OK. On fait ajouter la nouvelle. On peut également choisir un nouveau fond d'écran. On va choisir celui-ci, par exemple. Et on ajoute. On peut personnaliser l'écran d'accueil. On va mettre le petit dégradé, pourquoi pas. Et voilà. Quand cela est fait, vous pouvez retourner sur votre écran d'accueil. Activer. On va activer le mode d'économie d'énergie pour que vous voyez ce que ça fait en activant ce mode de concentration. On va pouvoir activer le mode jeu vidéo, bim, ça change. Et comme vous avez pu le voir, le mode économie d'énergie s'est désactivé. Ainsi, vous pouvez alors jouer tranquillement en exploitant le maximum possible la puissance de votre appareil avant même que iOS 18 débarque et qui vous propose ce mode Game Mode qui sera certainement meilleur que celui-ci. Et si jamais vous n'avez pas iOS 18, vous pouvez configurer ceci. Alors, j'ai oublié de préciser que dans le mode concentration jeu vidéo, n'activez aucune notification. Pas de notification du tout, ça va aider énormément. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Ben, vous pouvez jouer tranquillement à vos jeux, en toute sérénité, avec un maximum de puissance qui est possible en attendant iOS 18, je le répète. Et si vous n'avez pas iOS 18, je le répète encore une fois, vous pouvez le faire sur iOS 17, 16, en tout cas, avec les mises à jour qui en sont débarquées, avec les modes de concentration. Et si jamais vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de partager la vidéo. Salut à tous, c'était Ekosei. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.